Je vous montre comment je fais moi pour faire la vidange sur la Sainte-Lorraine. Vous avez les trois boulons ici, un, deux, trois enlevés pour la plaque. Et ici, juste sur les côtés, les vis, les petites torses. Voilà, sur le côté là. Et c'est bon, après ça se clip ici, vous n'avez pas besoin d'enlever. Et surtout, n'oubliez pas, quand vous changez le filtre à huile, ici, bien faire attention de bien dévisser cette vis là, la petite là, pour finir de vidanger le bocal. Sinon, vous allez tout salir partout. Et ça, ici, vos câbles vont être tout sales. Bon, c'était juste un petit tuto. Certains, je sais que vous le savez. Hein. Pas de souci. Et voilà le boulot. Donc là, bien sûr, vous avez le bouton ici, qui est là devant. Qui est là, ici. Là, ici, c'est la boîte. Bon, la boîte, tu touches pas. Bon, les amis, c'est bien le petit tuto. Un nouveau filtre avec le joint neuf et ancien filtre. Il est pas. Ça, c'est. Il a qu'une vidange, celui-là. Il a que 15 000 km. Pas abîmé, quoi. Moi, je trouve un peu dégueulasse. Mais... C'est un diesel après. C'est impeccable, ça. Quand on fait une vidange, c'est propre, tout neuf. Nickel. Allez, bonne journée les amis.